Ah là là, je me suis fait trop mal, maman, à cause de toi. Mais arrête de faire des bêtises. Mais maman, je fais pas de bêtises, moi, j'étais en train de twerker pour voir si j'avais de l'équilibre. Mais va nettoyer la cheminée tout de suite. Mais non, maman, j'ai pas envie de nettoyer. Hier, j'ai fait le ménage de toute la maison, j'en ai marre, moi, de nettoyer. Je suis pas ton pony, je te rappelle. Descends tout de suite. Gorgette, backflip. Hey, maman, j'ai trop fort, ta vie, je fais plein de backflip. Combien de fois je t'ai dit de arrêter de faire ça? J'ai pas envie de payer l'hôpital $1000 pour toi, petit Minus. Mais c'est bon, maman, comme toi, je vais pas me péter la tête. Je suis pas une noobie comme toi, t'inquiète. Moi, j'essaie de faire des backflips. Je vais pas aller à l'hôpital juste pour ça, quand même. Ok, suis-moi, j'ai pas le temps de parler avec toi, Minus. Ok, maman. Tu vois ça? Ouais, je vois, je suis pas aveugle, hein, je te rappelle. Ben, tu vas la laver. Quoi? Je vais laver le truc où il y a plein de choucapic? Mais jamais de la vie, moi, je suis pas ta pony, j'ai pas envie de toucher à ça, c'est dégueulasse. Tu seras obligé de le faire. Moi, j'ai pas le temps de discuter avec toi, j'ai besoin de ramener ma fille et moi au shopping. Oui, moi aussi, je vais aller au shopping, je suis ton fils, toi, moi aussi, je peux y aller. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Non, mais sérieux, tu me fais honte avec ces vêtements. Jamais de la vie, tu y vas avec. C'est quoi ces vêtements que tu portes? Oh my god, non, jamais de la vie. Mais maman, tu m'as promis. Ah ben non, pas après, jamais. Regardez, j'ai mis un nouveau masque, comme ça personne va voir mon visage et personne va me reconnaître. Quoi que tu fasses, tu serais toujours moche, t'as compris? C'est parce que je suis adoptée, c'est ça, t'arrêtais pas de me le répéter. Exact. Bon, viens Georgette, on va faire le shopping. On va laisser ce frère qui sert à rien. Oui, vite, sinon il va pleurer. Garou gaga. Oh là là, ça se fait vraiment pas ce que vous faites. Laissez-moi tranquille d'abord. Moi, je vais rester ici tout seul et faire le ménage, c'est mieux. Ouais, c'est ça, on va partir tout de suite. Bon, les amis, j'ai du travail. Moi, je dois nettoyer les toilettes parce que là, sinon, ma mère, elle va me tabasser. Bon, je vais commencer par la baignoire parce que ça, c'est impossible. Je nettoie ça, ça pue trop. Ça pue les chocapics. J'ai pas envie de voir des chocapics, moi. Bon, je vais nettoyer ça en premier. J'espère que je vais trouver des courgettes. Let's go! Allez, on frotte la baignoire. J'espère que je vais trouver des courgettes. Hein? Quoi? Ah, Ska, je déteste là. Ska, il y a une serviette. Serviette quelque part. Allez, arrêtez-moi. Je vais sauter ça là, c'est absolument. Non, mais ça marche pas. Comment je vais faire, moi? Je dois sécher, je dois sécher. C'est bon, j'ai enfin séché. Oh là là, je suis plus mouillée. Tu sais que j'aime pas l'eau. Pourquoi tu m'as mouillée? T'abuses. Ah, poule mouillée. Ah, bien joué, Georgette. C'était trop drôle. Non, mais c'est quoi ça? En plus, elle la félicite. C'est quoi cette famille tout pourrie? Me déteste. C'est pas juste, elle va le shopping alors que moi je suis en train de nettoyer. J'en ai marre de cette famille, j'en ai marre. Et toi, tu n'oublies pas, tu sors pas de cette maison, compris? Ouais, c'est bon, pas besoin de me le rappeler. De toute façon, je suis jamais sortie, vieille mémé, t'abuses. Ouais, j'espère bien, Minus. Oh là là, en plus, regarde-moi ça. C'est quoi ça? J'aimerais tellement avoir une vie normale. Comme chaque enfant, et sortir et faire des trucs normaux. Et pas faire le ménage. Vas-y, je dois absolument commencer le ménage avant qu'ils arrivent. Sinon, je vais me faire tabasser. Je commence par quoi? Les poubelles? Non, je sais pas. Moi, les toilettes. Allez, vite, vite, vite. Je dois faire le ménage. Je dois faire le ménage. Moi, allez, je nettoie tout. Je nettoie tout. Je nettoie tout. Je tape tout, en fait. Hein? C'est quoi ça? C'est qui? Mais j'attends personne, moi. Attends, je dois aller voir c'est qui. Oh là là, qui ça pourrait être? Hein? C'est qui ce vieux monsieur là? Bon, j'ai pas le droit d'ouvrir, mais comme maman est pas là, peut-être que je peux essayer. Je sais pas moi, mais je suis obligé là, je vais pas laisser attendre. Salut, comment je peux t'aider, vieil homme? Est-ce que t'as vu un monsieur patate? Monsieur patate? Oui, un monsieur patate. Non, désolé, je crois que vous vous trompez, y a pas de monsieur patate ici, hein. Je crois que vous avez, soit vous êtes trop vieux et que vous êtes trompé, mais y a pas de monsieur patate ici. Mais c'est impossible, là, c'est vraiment urgent. Mais je vois dès qu'il y a pas de monsieur patate, je dois vous le dire en combien de langues, sérieux? Mais non, parce que j'étais sûr que j'étais venu ici, moi. Non, 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 monsieur, vous avez un gros problème du cerveau, c'est pas possible. Il existe pas, monsieur patate, en tout cas, pas dans cette maison. Allez, oust, 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 partez, s'il vous plaît. Ok, mais est-ce que ta mère elle est à la maison? Non, ma mère est pas à la maison, donc maintenant tu dégages et tu me laisses tranquille, sinon j'appelle la police. Moi je reviendrai ici à la même heure, petit Minus. Ouais, ouais, c'est ça. Comment ça, petit Minus? Tu vas voir, moi je vais te boxer gauche droite dans ta tête, tu vas rien comprendre. Quoique je suis un peu faible. Bon, vas-y, là j'ai des trucs à faire, moi.
Bon, là, j'ai un peu la flemme, mais je suis obligée, sinon je vais me faire virer de cette maison et je vais finir SDF à manger du caca et du pipi chaque jour. Non, non, j'ai pas envie de faire ça, moi. Bon, là, je vais prendre l'aspirateur avant que maman, elle vienne, et je vais directement faire l'aspirateur. Allez, allez, allez. L'aspirateur, l'aspirateur, ici, ici, ici. Attends, je vais aspirer les bananes. Ça pourrait être trop rigolo. Allez, les deux, comme ça, ils pourront pas manger les bananes. Mais attends, j'ai l'idée de génie. Je vais aller aspirer les choucapics dans les cuvettes des toilettes. Comme ça, maman va croire que j'ai vraiment nettoyé. Ah, je suis un génie. Bon, là, je dois aussi aller nettoyer la chaussure, là, parce que sinon, maman, elle va me tabasser. Bon, je dois l'ouvrir. Et les... Ah, c'est quoi ça? Non, les cochons aux yeux. Reproche-toi pas. C'est un LMFR. Non, non, reproche-toi pas. Comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire? J'ai qu'une solution. Tiens, aspirateur. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'aspirer. Ah, attends, j'ai réussi à l'aspirer. Hein? Non? Pourquoi j'entends plus rien? Pourquoi il fait plus bruit cet aspirateur? Je crois que je l'ai cassé. Je vais mourir, c'est sûr. Oh là là, si maman voit ça, oh, je dois aller le reposer à sa place. Je fais comme si j'avais déjà fait tout le ménage. Il me manque en plus beaucoup d'endroits. Ok, je le remets, ni vu ni connu. J'ai rien cassé, moi. Hein. C'est pas moi, c'est le cochon. Je m'en fous, moi. Oh là là, j'aurais dû pas l'aspirer, mais j'aurais dû pas. Je suis mort. J'espère vraiment qu'elle va pas le voir. Hein. Sinon, je suis mort, mais total. Oh non, il arrive. Non, Tikina, stresse pas. Fais comme si de réalité. Je sais pas, moi. Va écouter la télé. Ah, moi je vais écouter la télé, j'espère que c'est pas trop suspect, hein. Qu'est-ce que tu fais, mioche? Qu'est-ce que je fais, maman? Je fais qu'écouter la télé, je te jure. Ah, et pourquoi tu me tapes? J'ai rien fait, j'ai rien cassé, je te jure. T'as fait le ménage? Oui, j'ai fait le ménage, regarde la maison, elle est toute propre, grâce à moi. Je vais inspecter ça. Maman, tu t'es mis en mode chien ou quoi? C'est quoi ça? Pourquoi t'es à quatre pattes? Je vais voir s'il y a une poussière ici. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de poussière, je te dis. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas beaucoup de poussière. J'ai tout nettoyé bien comme il le faut. Oh my god, il y a une poussière. Quoi, maman? Il y a une poussière? Mais attends, mais c'est rien une poussière. Tu vas pas m'engueuler pour une poussière quand même. Ah, maman, qu'est-ce qui se passe? Non, maman est morte. Ah, au score, maman, je vais te réanimer, t'inquiète. Allez, saute, saute, saute. Allez, maman. Arrête ça tout de suite. Quoi, maman, qu'est-ce qui se passe? Va passer l'aspirateur. Mais j'ai cru que t'étais morte, hein, l'aspirateur. En fait, est-ce que je lui dis ou je lui dis pas? Est-ce que je lui dis ou je lui dis pas? Si je lui dis, je vais mourir. Déjà, va passer tout de suite l'aspirateur. En fait, maman, tu vois, j'ai pas très très envie de passer l'aspirateur maintenant. Je pourrais le faire un autre jour, non? Non, va me passer l'aspirateur! Mais maman, je te jure, j'ai pas envie, s'il te plaît! Non, tout de suite, sinon une autre claque! Non, pas de claque, pas de claque, pas de claque! Ah, ok, c'est bon, maman, je te dis la vérité. L'aspirateur, il est cassé à cause d'un cochon, je te jure, je dis pas n'importe quoi! Quoi? Comment ça mes parents m'ont abandonné? Tu m'avais dit qu'ils étaient morts d'un accident de voiture, maman! Non, ils t'ont abandonné parce que t'étais ridicule! Maintenant, va dans ton lit tout de suite! Tu casses tout! Mais maman! Chut, je vais pas t'entendre! Tu pouvais pas être comme ta soeur! Toi, quand tu touches quelque chose, tu casses tout! Tes parents t'ont abandonné parce que tu ne servais à rien! Tout le monde te déteste! Arrête de mentir, mes parents m'ont pas abandonné! Va dans ton lit! Mais maman, j'ai même pas mangé, je vais pas aller dans le lit le ventre vide! Je m'en fous, moi! T'avais qu'à faire le ménage! Oh maman, j'en ai marre! Pourquoi? Pourquoi tu m'as adopté? Si tu m'aimes pas, c'est quoi ça? Et pourquoi je vis ici, dans un endroit pourri? Je dois faire de la gymnastique pour accéder à mon lit, c'est quoi ça? Oh là là, pourquoi elle a adopté un enfant alors qu'elle le déteste? Je suis pas ta femme de ménage, un enfant adopté, ça sert pas à faire le ménage! Ah, ça fait 2 heures que je fais la vaisselle là! J'en ai marre de ces gros porcs qui font rien dans la maison! Maman, j'ai faim! Oui, oui, maman, c'est bon, c'est bon. Oh là là, yark, je dois vraiment faire à manger à cette grosse vache qui parle là, c'est pas possible là. Regarde dans le frigo, il y a des trucs, non? Haha, esclave. Voilà, je savais, elle fait ça que pour m'énerver. Bon, pas grave, je vais pas rentrer dans son petit jeu. Sereine, viens voir, j'ai terminé, tu peux manger. Ça a intérêt d'être bon. Oui, inquiète-toi pas, ne sois pas timide, régale-toi, ça fait plaisir. Alors, ça goûte bon? Il se passe quoi là? Ouais, je crois que j'ai eu ma réponse. Trop drôle. Bon, attends, je vais aller voir là si ça goûte bon. Alors, ça goûte... Ouais, ça goûte définitivement pas bon. T'es incapable de préparer quelque
Merde, y'a quelqu'un qui sonne. C'est qui sonne encore? Je sais. Ah, attends, mais on dirait le mec d'hier là qui voulait me demander s'il y avait des monsieur patates. Mais y'a pas de monsieur patate, il veut une patate dans sa tête ou quoi lui? Oui, que voulez-vous encore? Quel a un monsieur patate ici? Non, dégagez, y'a pas de monsieur patate. Ah, dommage, je voulais lui donner une grande somme d'argent. Oui, y'a un monsieur patate ici. Je le savais. Ok, quoi? C'est toi monsieur patate en fait. Quoi? Attends, c'est qui monsieur patate? Il est où monsieur patate? Je savais pas qu'il y avait monsieur patate dans cette maison. Oh maman, tu m'as caché ça toute ma vie. C'est quoi monsieur patate? Il est où? Mais c'est toi monsieur patate. Je le savais parce qu'il avait les mêmes yeux que son père. Mais vous parlez de qui là? Il est invisible ou quoi? Mais oui, c'est toi monsieur patate. Quoi? Moi monsieur patate? Oui. Mais c'est pas possible, et comment ça les mêmes yeux que mon père? Tu connais mon père toi là-bas? Oui, parce que c'était le roi de la ville Brockhaven. Mais, hein, quoi? Mon vrai père, mon vrai père ou mon père adoptif? Je comprends rien. Mon vrai père, bon, suivez-moi. Mais maman, tu m'as caché ça, Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as jamais dit ça? Mon petit Boutchou va suivre ce homme. Comment ça mon petit Boutchou? Tu m'as jamais dit ça auparavant maman, t'es bizarre un peu non? Viens mon fils adoré, on va suivre ce homme. Mon fils adoré, c'est trop bizarre mais je suis content. Yes, limousine. J'aurais trop rêvé de rouler là-dedans, c'est trop cool. On est arrivé. Quoi, on est arrivé? Sérieux? Alors ouais, elle est trop belle. C'est quoi ça, tu nous as ramené où? Dans ta maison de roi. Quoi? Dans ta maison de roi? Non, dans ta maison. Hein? Comment ça ma maison? C'est pas possible. J'ai jamais vu une maison comme ça moi. Oui, c'est ta maison de roi. T'as vu, elle est très belle. Je préfère toi que ta sœur. Elle est vraiment stupide ta sœur. Oublie ta sœur, toi t'es vraiment mon fils adoré. Mais tu m'as jamais dit ça maman. Tu me disais toujours le contraire avant. Pourquoi maintenant que j'ai une maison tu me dis ça? Chut, non je t'ai jamais dit ça. Je disais ça à ta sœur exprès, tout ça. Oh, maintenant t'es devenu le roi. Quoi? Moi le roi? Mais j'ai même pas de couronne. Arrête de dire n'importe quoi toi. Ici t'as une couronne, regarde bien. Hein? Comment t'as fait? Mais t'es trop fort, t'es un magicien ou quoi? Elle est tombée du ciel ou comment ça se passe là? Bon, suis-moi, je vais te parler en privé. Okay. La maison. Maman t'es un peu bizarre, bon je vais le suivre hein. Monsieur. Ouais, j'arrête. Oh non, mais c'est pas possible. Bon, monsieur, vous allez me parler de quoi en fait, en privé? Là, c'est ta maison. Tu peux décider qui virer et qui garder. Comme ta mère, tu peux la virer ou la garder. Et aussi, t'as des très grandes responsabilités. Faut que tu fais très attention à qui tu prêtes ta maison. Mais elle est trop belle, cette maison. J'ai jamais vu une maison comme ça. Regarde tout l'espace que j'ai. Par contre, dis-moi pas que je devrais faire le ménage dans ma maison. Moi, j'ai pas envie. Non, tu peux faire n'importe quoi avec. Wesh, elle est bizarre ma mère, regarde ce qu'elle fait. Ouvrez-moi la porte. Non, ouvre-la pas s'il te plaît, j'ai une idée. Je vais pas la virer mais j'ai une très très bonne idée. Mais attends, t'es sûr que c'est ma maison là? Oui, c'est vraiment ta maison, tu peux faire tout, qu'est-ce que tu veux? Oh my god. Mon fils, ouvre-moi la porte. Arrête maman, dégage, reste là 2 secondes. Ah là là, je suis si heureux de cette nouvelle vie avec des courgettes à l'infini et la télé, c'est incroyable. J'ai jamais pu écouter la télé auparavant, merci infiniment. Merci mon roi. Oh là là, ça fait plaisir. Oh, j'ai fait tomber un petit bout de courgette, viens de nettoyer femme de ménage. C'est pas juste. Et n'oublie pas de le lécher, allez, 4 pattes là, ça va faire là, t'es trop nul toi. Tu dois le lécher? Oui, tout de suite. Ça t'apprendra de faire ça à moi là, de me maltraiter. Tu m'as même pas pris comme ton fils alors.